Hello les gamers, c'est Yonix. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que en fait, la team sur ce serveur, bon non, allez, on va parler d'abord de trucs. Pourquoi depuis 2 semaines j'ai pas fait de vidéo? Parce que j'étais chez ma mère. Du coup, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit DayZ tranquille. Et on va buter tous ces gars parce que j'ai dû refaire 4 reprises parce qu'ils m'avaient buté. Donc voilà. Là je vais faire, on va dire, un peu de pub pour mon serveur. Pour ceux qui veulent, comment dire, venir me rejoindre sur ce serveur. Il est très joli, tout beau et tout ça. Et bien, il faut me rejoindre. Enfin, il faut que vous alliez sur mon Skype. Normalement, il sera dans la description. Mon Skype. Du coup, vous me demandez l'IP du TS. Et après, avec l'IP du TS, vous allez demander aux admins si vous pouvez être whitelisté. Normalement, si vous faites une simple connerie, vous êtes viré. Ah oui, une simple connerie. C'est normal parce que je veux dire que si vous faites toutes les conneries que vous voulez, voilà quoi. Alors les règles, de toute façon je ne vais pas vous les réciter parce que ça sera eux qui vous le réciteront. Alors matériel, on va juste enlever ça. On va juste prendre le Alice Pack. Alors, Alice Pack. Bon, ça commence bien, l'Alice Pack. Ça, on va le jeter. Voilà. Et on va aller vite fait parcourir toutes les maisons pour voir s'il y a une arme. Et puis on va aller à ce putain d'électro pour aller buter tous ceux qui se trouvent là-bas parce que ils m'ont buté à maintes et maintes de fois. J'ai dit non shoot, non shoot, non shoot. Et ben là je vais dire shoot, shoot, shoot. Allez. Parce que là, ça m'énerve. J'aime pas que je me bute et que je dis non shoot. Faut savoir que j'ai bouffé. Bon, ça vous en foutez. Du coup, voilà. On va aller à la maison là-bas. J'espère qu'il y aura au moins une arme. S'il n'y a pas d'arme, ben faudra que j'aille à Balota. Et s'il y a Balota, il n'y a pas d'arme, ben, il faudra que j'aille à Tcherno. Et à Tcherno, on va aller buter du gars. Puis, oh, je me disais, oh putain, on a que. Alors, on va juste aller buter. Ouh, il y a du monde là. Alors, on va juste prendre le British. Alors là, on va faire vite fait le petit souhait. Et après, on va prendre le British. Putain. Appelez vous touchez à Z. Ah là. Normalement, dans ça, il n'y aura pas d'armes. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Alors, le British, c'est le deuxième plus grand sac. Donc, j'ai quand même de la chasse. J'ai de la bouffe et tout. Bon, on va dire que j'ai de la chasse, quoi. J'ai de la chasse, mais je crois que je vais pas l'avoir pour longtemps parce que. Avec tout. Ah oui, là j'ai pas été tout au fond parce que des fois il y a des trucs cachés. Bon, il y a rien. Bon, il y a au moins le British. On a une bouffe. Bon, la bouffe ça sert, mais quand t'en as pas beaucoup, bah c'est pareil, ça revient aux mêmes choses. De toute façon, vous allez voir que les zombies vont grandir de plus en plus parce qu'en fait, à chaque fois je rush, donc j'ai 4000 zombies à mon cul et je les bute. Dès que je rentre quelque part. Donc on va aller vite fait voir s'il n'y a pas un retour là. De toute façon je crois pas qu'on va faire de la réparation sur cet épisode parce que faut plus que un seul truc, je veux dire. Allez, meurs. Meurs. Oh là là, que c'est drôle ces zombies.
Bon, on va dire que des fois c'est très dur à buter, mais des fois ça a une facilité déconcertante. Je sais, je parle pas vraiment au français, mais bon, c'est bon. Alors, de la bouffe, oh, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. On va juste en récupérer, juste vite fait, un petit bandage, ça fait jamais de mal. Et puis, on va se diriger vers Babalota. Allez, but. Bon, mais, de toute façon, moi, les zombies, j'adore les tuer parce que dès qu'il y aura le stat, eh bien, je sors le premier. Enfin, j'espère. Parce qu'en fait, vous avez 2 points à chaque fois que vous butez un zombie. Là, je l'ai tué 13. La dernière fois que je suis mort, je l'avais attaqué. Donc, voilà. Ben, là, de toute façon, on va se diriger vers Balota. Fait un coma Rovo d'abord. Normalement, il n'y aura pas d'armes là-bas. Balota, il y aura une petite chance pour qu'on trouve un petit flingue. Puis après, on va aller vers Tcherno. On va faire un peu de kill. Et puis après, on va se dire au revoir. Bon, vous allez me dire, peut-être la vidéo sera un peu longue. Normalement, ça varie entre. Les vidéos de DayZ, ça varie entre 30 minutes et on va dire 1 heure. Voilà, un truc comme ça. Même si ça fait plus. Ouais, je suis vraiment désolé, mais bon, DayZ, c'est un jeu vraiment de patience, de calme, de mort, de PVP, de survie, de bâtiment, de. Bon, voilà, tout ça. Et après, voilà. Donc, là, on est obligé de marcher. Marcher, marcher. Marcher jusqu'à la liberté. Là, j'ai 200 abonnés qui s'envoient à cause de ça. Au revoir, désolé. J'aurais pas dû chanter. J'aurais dû jamais chanter sur mes vidéos. Jamais. Jamais. Regardez que vous êtes en première personne. Vous voulez voir un truc? Allez, je vais vous montrer un truc. Regardez ça. Ah, oh, oh, ça c'est beau. Mettez un grain d'écran, vous allez voir. Oh, c'est dégueulasse. Vous allez vomir. C'est comme si vous le faisiez en vrai là. Oh, c'est dégueulasse. Déjà que quand t'as le tutoni, ça. C'est comme si on vous mettait dans une voiture et que ou dans un tonneau et que vous tourniez. C'est dégueulasse. Ah là là, ce petit DayZ, que ça me manquera quand il y aura le standalone. Non, je rigole, parce qu'en fait, ce jeu est complètement buggé, mais c'est un bon jeu. Un très très bon jeu. Alors, si vous voulez me contacter, comme j'ai dit, allez sur mon Skype, tout ça, voilà. Et puis, voilà, il n'y aura pas de problème. Normalement, avec les admins, je sais pas. Normalement, c'est avec eux que vous allez parler, donc vous verrez avec eux. Alors, à part Balota, de toute façon, je peux pas regarder ma carte parce que pour l'instant je l'ai pas. Parce que le serveur est complètement. En fait, quand vous respawnez, c'est vraiment de la survie. Vous avez juste une machette. Bon, la machette, on va dire que c'est un peu abusé. Mais bon, contre une Yenfield ou une Winchester ou même une simple arme, ça vaut rien. Donc voilà. Alors, oui, je vais pas rester à ça me parler parce qu'en fait, quand je commence à ne plus parler, ben je parle plus pas dans tous les épisodes. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai que de la bouffe, mais pas de boisson. Donc, ce qui s'en va le plus, c'est la boisson parce que quand vous courez beaucoup, elle part la boisson. Donc, ça, au loin, ce que vous voyez, c'est un taureau ou une vache ou. Un truc comme ça. Alors là, on arrive à Komarovo. Il faut savoir que si vous voulez faire toute la. Enfin, si vous faites toute la map, normalement, ça prendra à peu près le même temps que vous allez en vrai. Par exemple, là, on va dire la map fait 10 km carrés. Donc, 10 km carrés, quand même, ça fait quand même pas mal. Du coup, ben. Enfin, on va dire non, on va dire 12-13 km carrés. Plus l'eau, mais bon, ça on le compte pas. Du coup, ben, si vous faites des kilomètres, donc par exemple 5 km, ça on va dire ça sera pareil que si vous le faisiez en vrai.
Enfin, pas vraiment la même heure, mais on va dire presque le même temps. Voilà. Ah, qu'est-ce que je serais content si j'avais un véhicule que je pourrais aller à Tcharlo aussi vite que je sais pas quoi. Ah là 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 là. Donc voilà. Non 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 non. Que marre vous. Il y a du vous. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas chanter. Bon allez, non, remarque, on va faire que du PVP donc. On n'a pas vraiment besoin de toolbox et de trucs de réparation. Parce que ce que vous voyez là-bas, c'est une usine, ce qui sert à réparer des véhicules. Enfin, une usine, il y a pas mal de trucs pour réparer les véhicules, mais il n'y a pas tout. Enfin, ça dépend des fois, ça dépend des spots. Mais j'ai la flemme d'aller voir. La 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 la. La 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 la. C'est long un voyage de DayZ. DayZ c'est de la balle. Bon vivement le standalone. Le standalone c'est le jeu, le vraiment le jeu, vraiment un jeu DayZ. Normalement il est destiné pour juillet. Truc comme tout ça. Faut savoir que ce jeu que je suis en train de jouer c'est juste on va dire. Le mode d'Arma 2, donc l'ancien DayZ. Alors, comme il vous dit, venez nous rendre visite sur le TIS. Mais bon, s'il serait intelligent, il devrait savoir qu'il y a la wildlist. Enfin, je dis rien parce que sinon je risque de me faire taper sur les doigts. Mais bon, sinon c'est un bon serveur. Si vous voulez aller regarder, vous allez voir. C'est beau, bon serveur. Pour l'instant, on n'a pas de site. En fait, ils ont pas de site parce que, à raison que, on va dire que, ils recommencent tout depuis zéro. Donc, ça devient un peu difficile. Mais bon, il y aura pas mal de différences sur ce, on va dire, sur le DayZ de normal de Tiernarus. Parce qu'en fait, tu auras, par exemple, supermarket à Kamenka. Kamenka, c'est la ville où j'étais tout à l'heure. Avant celle-là. Du coup, voilà. Alors, donc, on va buter un zombie par là. Et en fait, ce que vous voyez à haut à droite, j'ai le sang. Le sang, ce qui sert à survivre encore. Après, j'ai l'humanité. Alors, dès que ça augmente, en fait, c'est vous l'augmentez, on va dire, en soignant des personnes. Et dès que vous êtes à un certain nombre, vous avez le skill héros. Moi, j'ai le skill, on va dire, de paysan, celui qu'on a au départ. Après, vous avez ben, l'humanité, vous avez aussi moins. Dès que vous arrivez à moins quelque chose, vous avez le skill de bandit. Donc, si vous dites non shoot, eh ben, au revoir. Parce que les gens, normalement, ils font pas confiance aux bandits. Après, les meurtres, ben, c'est les gens que vous tuez. Écoutez. Les bandits, bandits tu. Ben, c'est les bandits que vous avez tués. Donc, des meurtres aussi, c'est pareil. Mais bon, sauf que c'est des bandits. Après, vous avez des zombies et des tirs à la tête. Et comme vous voyez, ben voilà, ben, de toute façon, vous n'avez pas besoin du TS. Écoutez, je viens de voir qu'en fait, il est à haut à droite. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Par contre, pour tout ce qui est casse-pied de l'ancienne team, s'il vous plaît, n'allez pas sur le TeamSpeak parce qu'il va juste vous balle. Et je trouve que ça sert à rien de faire tout ça. Moi, j'ai des zombies au cul. J'en ai toujours 4. À mon avis, j'ai arrivé à balota encore avec 4 zombies. Je vais me faire buter. Donc, ce que je vais faire, je vais aller juste dans la ville, me stuffer un tout petit peu et. Je vais pas trop aller vers l'airfield parce que tout à l'heure je me suis fait buter comme idiot. Du coup voilà. Puis à l'airfield à chaque fois que j'y vais, il n'y a jamais rien. Surtout à moi. Je sais pas pourquoi quand c'est moi, ils veulent pas. Le voyage est long pour DayZ et aussi Onyx. Je ne sais pas chanter, mais c'est pas grave. C'est juste une aventure
toutes jolies, avec des jolies filles qui sont juste derrière moi. Elles sont en train de me courir après et je me demande pourquoi. Parce qu'elles veulent me bouffer. Ah là là, là 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 là. Bon, j'aurais pas dû rentrer là, mais bon. Au moins, on peut tuer du zombie. Quad! Quad feed! Allez, quad feed! Non, broc! Allez! Oui! J'ai gagné! Ah, peut-être un septième kill. Attention à la surface de réparation. Bob arrive. Et on va le buter! Oui! Oui! C'est le dieu des zombies. Alors, hop, on va récupérer ce qu'il a sur lui. Un painkiller, tu dégages. Parce que le painkiller, ça sert juste à. Quand vous avez là et que ça trable, ça sert à la lever. Ah là 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 là. On tue du zombie. Mais regardez bien la fée, combien il y a de zombies. Vous allez voir combien j'allais tuer. Ça serait bien que vous me le dites en commentaire. Comme ça, je saurais que si vous avez regardé la vidéo en entier, non, je rigole. Vous allez me dire, on va dire. Pas mal de choses sur la vidéo, si ça vous a plu, pas mal de choses, mais bon, je veux dire combien il y a de zombies tués, on m'en fout un tout petit peu. Alors, voyons combien il y a de zombies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, non, je compte pas bien. Normalement, si je vais vers là-bas, ça sert à rien. Je crois même pas aller vers les tours, parce qu'en fait, il y a des tours de sniper et tout ça. On remarque. Qu'est-ce que je rate à y aller? Ouais, tu m'étonnes, trouver un hélico, c'est dur. Alors là-bas, ce que vous voyez, c'est des sortes de petites usines. Enfin, vous trouvez des fois des trucs. Et là, ce que vous voyez, c'est des tours de sniper. Enfin, un cas, quoi. Des fois, il y a des zombies. Enfin, il y a là pas mal de zombies, donc il faut faire attention. Mais normalement, je trouverai juste la K, donc je vais pas y aller là, ça sert à rien. Putain, soit c'est pas grave. La 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 la. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on l'a en vidéo, on va tenter notre vie. Puis qu'est-ce que vous voulez dire? Oh non, on remarque que non, parce que de toute façon, je vais vous dire, allez là, ça sert pratiquement à rien. Même si il y a l'AK-47, les AK-47, pour vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas vraiment si je vais y aller ou pas. Ah là là, c'est dur à choisir. Les tentes? Oh, je sais pas, je sais pas. C'est tellement dur à choisir. C'est tellement dur. Si c'est fermé, bon, c'est fermé, donc j'y vais pas. Parce que si c'est fermé, je vais pas me presser à ouvrir les trucs, surtout que j'ai. Attendez. 1, 2, 3. 4 zombies. 4 zombies au cul. J'ai pas trop envie de me faire tuer, quoi. Surtout que, en fait, dès que je meurs, j'ai pas trop envie que vous voyez. Bon. Enfin, voilà. Un truc. Je vais pas vous dire quoi, mais un truc, quoi. La 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 la. On marche de. Puis je sais pas combien de temps. Alors là, on va arriver à Tchernon dans. On va dire. Ouais, on va dire une. 5 minutes, 10 minutes, un truc comme ça. Non, 5 minutes, je crois plutôt. Ça devrait arriver dans 5 minutes. 5 minutes, on va juste à Tchernon. On va aller au supermarché pour voir s'il y a une arme. On se récupère plein de bouffe et mettre dans le sac. Et puis après prendre le backpack si j'en trouve un. De toute façon les backpacks normalement c'est dans les crashs d'hélico donc je vois pas. J'ai une crash, putain voilà, un autre crash. Et quand je parle de crash, quelqu'un parle de crash. Je sais pas pourquoi. Je suis friendly électro. Non c'est pas vrai, il est pas friendly. Non non il veut buter quelqu'un. Ah merde, heureusement que je saigne pas. On va essayer de les buter. Non, remarque, non, c'est pas une très bonne idée parce que si je saigne,
Ouais, c'est pas trop une bonne idée. Faudrait que je sois d'abord à quelque part. En cas de problème, si je pichonne de triche, veuillez contacter les administrateurs sur le TS. Ouais, bon, moi j'ai pas de problème. De toute façon, pour vous dire, ceux qui sont là, là-bas, c'est des gars très réglo, donc je vois pas pourquoi j'irais à me plaindre. En fait, j'allais pas 4, j'allais 5. Ok, bon. Ça change pas trop. Ce qu'on va faire, on va essayer de les semer par la forêt. Alors, ce que vous voyez là-bas, c'est Tchanon. Donc, on n'est pas très loin. Donc, c'est pour ça que je préfère ne plus avoir de zombies au cul. Parce que ces zombies, si on me repère avec, on risque de me tuer à la seconde que je rentre à l'électro. Eh, mais c'est pas vrai, quoi. C'est des coulins, là. Ah là là. Dès que j'arriverai à Tchernon, je vais me faire buter la gueule à cause de ces zombies-là au cul. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le bâtiment qui est ici. Je sais pas si c'est le truc à essence. Bon, dès que j'arrive au truc à essence, je me mets dedans. Et je tue tous les zombies qu'il y a derrière moi. Et puis, au revoir. J'ai juste fait un truc. Voilà, le truc à essence, il est là-bas. Donc on va y aller. Non, donc il n'y a plus que deux zombies, c'est bon, je pourrais les buter. Allez, on va juste prendre ça. Ça peut toujours servir. Je parle de ça. Et normalement, ils ont rien. Donc on va vite fait aller à Electro. Non, pas non, à Tcherno, pardon, pas Electro. Bon, j'ai un problème de prononciation. Ah là là, ce petit Tcherno. Ah là là, ça va faire du bien d'y retourner. Un petit peu de kill. Ce que je vais faire, je vais aller directement au supermarché parce que moi j'ai trop l'habitude de d'aller d'abord dans tous les endroits et après au supermarché je me fais buter donc je vais aller au supermarché. Écoutez, et dès qu'on meurt, eh bien, la vidéo est finie. Là je me vois bien là qu'une voiture arrive, m'écrase et puis au revoir. Et par rapport aussi, pour ceux qui connaissent Akilu, le fameux youtubeur, je suis passé sur son live Twitch TV qui est passé hier. Je suis le gars en moto, le petit gars en moto que peut-être vous avez vu. Je sais pas si vous avez regardé le live. Je suis passé en moto et il a pris ma moto et la roue était crevée. Je me suis glissé dans son véhicule et le serveur a crash donc pas de bol. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur le supermarché que je sais pas si vous le voyez d'ici, là, bah, il est là-bas au fond. Normalement, vous pouvez pas le voir d'ici. En fait, il est juste là, à l'angle. Bon, ici, là, derrière ces bâtiments. Et puis, on va juste. Ah, ben le voilà. Le voilà, c'est ce que vous voyez là-bas au fond. Là, ce petit truc. Des fois, je vois pas très bien, mais bon. Je suis pas aveugle non plus, mais bon, ça va. Bon, à Charlotte, normalement, il devrait avoir au moins une ou deux personnes. C'est ce qui me fait peur. Ah non, on va pas rester là. Toi, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu as dedans, toi? Un heat pack. Bon, bah, pour l'instant, j'en ai pas besoin. De toute façon, normalement, un heat pack. Ça sert à rien à part de tenir chaud, mais là, comme vous voyez, mon thermomètre est au rouge, donc c'est la chaleur. Et après, on va aller jusque là-bas. Puis voilà. Écoutez, pour l'instant, ça va bien. On ne s'est pas encore trouvé à position de meurtre. Une horloge. Donc bon, bah de toute façon,
Bah on va regarder juste ce qu'il y a vite fait. Apparemment, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là parce qu'il n'y a plus rien. Je sais pas si ça bug ou. Non. Tu vas mourir. C'est le zombie de Dieu. Moi, ouais, bon, me dégage. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Alors, on va aller vite fait check voir ce qu'il y a là. Attention, il n'y a rien. Ouais, je crois qu'il y a en fait quelqu'un est déjà passé par ici. Il a tout pris avec lui. Je crois que j'ai rien trouvé. À part la mort. Je sais pas en fait qui est passé par là. C'est le loup qui est passé par là. Il a pris tout ce qu'il y avait. Allez, la musique en plus derrière. Vous devez pas l'entendre, mais moi je l'entends très bien. C'est mon grand-père, il regarde. Comment ça s'appelle déjà? Question pour une champion ou un truc comme ça. Je sais plus, le midi, je sais plus ce que c'est. L'église, elle est où? Alors je vais aller à l'église et après je vais là-bas. Au truc de pompier. Oui, ça s'appelle la caserne de pompier. Il y en a beaucoup qui l'appellent la tour. Mais bon, moi j'appelle tout ça, tout ça. Alors on va faire une petite prière. On va faire une petite prière. Dieu, protège-nous de ces zombies. Ils me font peur, ils me font tuer. Ils font tout ce que. Non, je suis pas vraiment croyant, donc je sais pas comment on faisait les prières. Pour ceux qui sont, on va dire, croyants dans mes abonnés. Pour moi, c'est long. Je vais pas divulguer tout ça parce que je sais qu'après il y aura une polémique dans les commentaires. T'as pas raison, Dieu a toujours existé ou des trucs comme ça. J'ai pas trop envie de faire tout ça parce que en fait tout le monde a sa propre idée sur Dieu, donc. Moi, je trouve qu'il n'existe pas. Après, c'est sûr que il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, mais après voilà. Alors après, on va aller là-bas. Putain, on va aller dans tous les bâtiments, je trouve, en fait, sur Tchalo, parce qu'à Tchalo, en fait, il y a toujours des bons trucs. Mais le problème, est-ce que tout le monde va à Electro pour faire du PVP? Je comprends pas ça. Remarque à Tchernobyl aussi, il y a un certain temps où vous commencez à vous faire buter. Ok. Je crois qu'en fait quelqu'un est venu ici parce que, pour vous dire, c'est quand même bizarre que hier. Faudra me le dire dans les commentaires pour ceux qui sont pratiquants de ce jeu, mais quand même. Trouver le supermarché vide, tout ça vide, c'est quand même bizarre quoi. Doit avoir soit quelqu'un dans les alentours, soit c'est un bug de spawn, je sais pas. Mais quand même, j'ai vu quelque chose spawner. Alors ça, on s'en fout parce que j'ai de machette. Ok, bon, mais je crois que vraiment il y a quelqu'un qui est passé par ici parce que. Quand même. Ce qu'on va faire, on va aller à la deuxième tour. Je sais pas vraiment où elle se situe. Tcherno, c'est grand et. Ça fait peur. Ça me fait peur tout ça parce que, quand même. On a été sur trois bâtiments. Trois bâtiments, il n'y a rien. C'est quand même bizarre. Même l'église, il n'y avait rien. Donc, c'est quand même bizarre quoi. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que c'est bizarre. Soit c'est un bug de spawn, soit quelqu'un est passé par là parce que. Il a dû se faire bien plaisir. Alors, si celui qui est passé supermarché, tout ça, il a au moins il a trouvé une arme. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que.
Le seul endroit où on peut trouver une gare B, c'est où je vais. Et c'est à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est sur le toit. Sur le toit, j'ai aucune chance parce qu'il y a en fait. Oh, vous voyez ce que je vois de loin? De la fumée. Dieu. Dites-moi que. Qu'il y a un véhicule. C'est quoi ce truc qui est actif? Oh là 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 là. Non, en fait, c'était pas de la fumée, c'est moi qui avais fumé. Parce que quand même. Oh là 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 là. Ça me fait gaver peur là parce que je sens bien, tu sais, entendre un bruit là, un tir et j'aurais même pas le temps de parler que je sois déjà mort. Ça, ce que vous entendez au loin, peut-être, je sais pas si vous l'entendrez, mais c'est la cloche. J'ai peur. J'ai très très peur. On va aller juste check ça là-bas. Parce que des fois, il y a des personnes qui récupèrent des trucs pour réparer des véhicules et je peux le buter peut-être par derrière. Avec un peu de chance. À chaque fois, je tombe. Parce que sur ce serveur, c'est pas vraiment des amateurs. Donc, ils ont juste à se retourner. Pam, pam, pam. Et oh. Surtout s'il a retrouvé une bonne arme comme. Non, mais normalement, il n'y a pas grand chose comme arme. Soit c'est une AK-47, soit une AKU, soit. Je sais pas. Ouais, bon, mais je crois que j'ai vu des zombies là-bas au fond. Écoutez, ce que je vais faire, je vais me barrer parce que. Ça commence à me faire peur, on va aller vers Electro et dès que Electro c'est bon. Dès qu'on sera à Electro, bah écoutez, on l'arrêtera. Enfin là, on fera quelques kills, j'espère qu'on fera au moins une kill dans la vidéo. Et dès qu'on fera ce kill, et bien on partira. Enfin là, on va juste attendre que je meure, voilà. Et en plus au sud, normalement. Je suis pas armé à part d'une machette, donc j'ai vraiment une chance de mourir que de rester en vie, quoi. On va rejoindre la route que vous voyez là-bas. Attendez. Je crois qu'en fait, c'était pas un rêve. Je crois que j'ai bien la tête du véhicule. Il y a quelqu'un dans les parages? Mais il répondra pas. S'il me chasse, je crois que il me répondra pas. Alors ce qu'on va faire, on va aller là-bas. Voir s'il y a une Winchester. Écoutez, si j'ai une Winchester, c'est l'arme de Dieu. Donc. J'ai juste pour un coup. Non. Non, c'est bon. J'ai bu un bon coup. J'ai tout qui va bien, j'espère. Ça me fait peur, ça me fait peur. Pour vous dire, j'ai l'habitude de jouer avec des potes, donc tout seul, ça. C'est Fleury. C'est qui, Fleury? Tu m'entends? Comment? C'est Fleury Michon? Non, c'est Ah, pas. je sais. Non, c'est pas Fleury Michon, c'est Fleury. T'es à Tcherno là? Allez, je crois que il est pas dans le coin. Je crois qu'en fait il parlait seul. voilà, tous ceux du serveur commencent à faire les idiots. Ben là, les Google. Ok, les noobs. Écoutez, j'arrive même pas à frapper un simple zombie. Je me demande pourquoi.
Zombie de Dieu, mesdames et messieurs. Bon, j'ai des balles et j'ai pas de d'armes. J'ai pas d'armes. Si j'ai pas d'armes, je peux pas avoir d'armes. Écoutez, ça c'est une pompe, mais complètement bourrave. De l'autre côté, je crois qu'il y aura rien. Donc on va aller là-haut pour voir. Lui, on a strictement rien à faire. Et là, une hyène. Oh, l'arme de Dieu. L'arme de Dieu. C'est la deuxième arme de Dieu que vous pouvez trouver dans les trucs comme. Comme ça, comme ici. La hyène field. Oh putain, la hyène field. Oh là 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 là. Ça va aller. Ça va aller. Ouh, ça c'est l'arme de Dieu. Ça. Ouh là, je. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien là. Parce que. Vous faites quoi là, les gars? Vous jouez le jeu, non ou... Fleury, on parle pas en général quand t'as fini. Parce que ça Il fait un faudrait peu. qu'ils sachent que. Bah, vous pouvez juste expliquer pourquoi je suis le meilleur. Écrit. La 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 la. Bon, allez, électro. C'est quand même marrant, quoi. Un nouveau sur le serveur. Et il parle pas dans le chat. Je suis bugué! Ah, ok, comme ça. Non, 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 on n'a pas le droit d'écrire non plus en majuscule. Il y a beaucoup de règles dans ce serveur. Il faut bien les. On va dire les. Les apprendre. Ah là là. Écoutez, là-bas, ça doit être le cap de je sais plus quoi. Je suis pas sûr. Normalement, on va aller là-bas. Et puis à la prochaine ville, c'est. C'est. C'est électro, pardon. Je passais à un truc. En fait, j'étais en train de lire ce qu'il disait. Donc. Des queues. Bon, on n'arrête pas de faire les idiots. Mais pour l'instant, j'ai encore des. Non, j'ai pas de zombies au cul. Donc ça va. Parce que pour l'instant, je peux pas les buter. Parce que la Yenfield, ok, elle est puissante. Mais bon, si je tire avec la Yenfield sur un zombie, je crois que ça sert un peu à rien. Parce que. Il meurt, ok, mais il y a 4000 zombies après qui arrivent après lui. Donc. Parce que la Yenfield, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Pour Electro, ça va. Normalement, c'est une bonne arme pour Electro. Mais je savais pas qu'en fait, on pouvait trouver une Yenfield dans une grange. Normalement, ça doit être une très petite probabilité, mais. La petite probabilité, ben, c'est tombé dans mes bras. Ah, la mer. Vous la voyez pas bien, mais. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai trop envie d'être en été là. J'ai vraiment envie de. D'être à la playa. Vamos a la playa. Ah là 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 là. Bon. On va pas dire que pour les filles, parce que pour l'instant, on va dire que j'ai déjà une copine, donc que je suis en couple normalement. Les filles pour les vacances, c'est oublié. Après, normalement, je sais que dans mes abonnés, il y aura toujours des gars qui vont. Vont dire ah putain quoi tu quand tu vas la plage tu dragues des filles ben écoutez c'est normal mais bon sauf que je suis en couple parce que j'aime pas on va dire trahir et tout ça je dis pas que ça m'est jamais arrivé mais je n'aime pas trop j'aime pas trop ce style. J'aime pas ces les gars qui font comme ça parce que faut savoir que même tu sais si j'ai quand même je suis pas quand même adulte j'ai le temps mais bon voilà quoi ça se fait pas trop
Quand on se met en couple, ça, on va dire, ça amène des choses, quoi. Des règles. Donc, voilà. Écoutez. Je suis quand même content. Oh là là. Vraiment, je cherche des personnes. Si vous voulez, ben, parce que là, j'ai vraiment besoin de gars qui jouent à DayZ pour faire une vidéo avec eux. Je vous en supplie, dès que quelqu'un veut faire une vidéo avec moi sur DayZ, il n'y a pas de problème. Ajoutez-moi sur Skype. Après, on va aller sur le TS. TS, c'est TeamSpeak. Et puis, enfin, le TeamSpeak du jeu. Vous voyez avec le gars si vous pouvez être whitelisté. Et dès que vous êtes whitelisté, ben, on fait une vidéo ensemble. Écoutez. Même, pourquoi pas former un groupe. Un bon groupe. Puis aller, je sais pas, par exemple, je sais pas, aller au nord ou des trucs comme ça. Puis voilà. Ou même prendre un car à plusieurs, même être tous mes abonnés réunis qui ont DayZ. Même achetez-vous le jeu. Je vous jure. Si on fait un groupe de 24, je ferai une dédicace à tout le monde. Ça sera un bon truc. Mais bon, je sais que le jeu, tout le monde ne pourra pas se le payer. Donc, bah, il vaut 20 euros, Arma 2. Vous allez sur Steam. Vous prenez Arma 2 et Arma 2 Opération Red. Bon, là, vous avez aussi Arma 2 Opération. Oh là, on va dire complète, je sais pas quoi. Normalement, non, vous avez un truc normalement qui réunit le pack d'Arma 2 et Arma 2 Opération Red. Donc, ça pourrait vous aider. Ouais, c'est encore loin, Electro. J'ai envie de faire du kill, bon. Parce qu'il faut savoir en plus que j'ai pas de carte et que j'ai pas de carte, je stresse. J'ai un zombie au cul là, il veut pas me lâcher. On dirait qu'il s'étrangle quoi. Je sais pas si les créateurs auraient pas dû faire des vrais cris de zombies parce que ça. On dirait un rugissement de je sais pas. Mais en tout cas pas de zombies. Je sais pas, le zombie c'est plutôt truc comme ça, je sais pas. Ça c'est ok quoi. Faut voir le truc. Et là bon, vous allez rigoler, mais on dirait qu'il a traite de faire des trucs bizarres, quoi, là. Enfin, je vais pas dire le mot, mais on dirait qu'il fait des trucs bizarres, parce que... Là, ce cri... Même ce cri, il est bizarre, quoi. La la lam, la la lam. La lam, la la lam. Le chemin est long. Moi, je suis tout seul. Avec ma petite Enfield. On va à Electro, on va essayer de buter du gars. Et puis, on va aller voir le gars qui est totalement friendly, il paraît, puisque c'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Et puis voilà. La 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 la. Oh là là. Là, je m'endors, je m'endors, je m'endors. Pour vous dire, en fait, quand vous faites un chemin, c'est. Ça nuit. Hein. Limite, on a envie d'écouter une musique, dormir. Même si c'était possible de dormir et que ça allait à l'électro tout seul et que ça vous réveille en même temps, ça serait bien. On attendait. Je sais pas, mais. Je crois que là je vais bien être dans la merde parce que je viens de dépasser là, je suis sur la route de Electro. Donc une voiture peut arriver soit derrière moi, soit devant moi. Parce que les gens quand ils cherchent un véhicule, ils récupèrent tous ceux de la côte d'abord. Et puis après ils partent vers le nord. Donc je sais pas. Alors. Tout cheat ou non respect de la règle sera banni. Je dis pas directement.
Putain, je savais pas que la route entre Electro et... Enfin, entre Tcherno et Electro, c'était vraiment aussi long. On dirait que ça fait soit deux le fois deux le trajet entre Kamenka et Tcherno, quoi. Je suis sûr que la vidéo elle va faire à peu près 1 heure. Bon, le temps d'upload, je vous en parle pas. Mais bon, c'est pas grave, vous aurez au moins la vidéo, je crois, mardi. Là, on est mercredi, donc peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Normalement, demain, si ça se passe bien. Alors, normalement, le zombie, il est toujours derrière moi. Il veut pas me lâcher. Oh là là. Là, je crois que je suis infecté au bras. Non, mais je parle pas dans le jeu de en réalité parce que une de mes petites nièces a pris le brèche bien pointu. Et depuis, c'est vraiment tout rouge. Enfin, j'ai saigné du coup. Je crois que c'est bien tout rouge et j'arrive plus à trop bouger le poignet. Bon, c'est pas grave. Mais bon. La 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 la. Ah, nous voilà, Electro. Putain, on nous a mis du temps à arriver ici. Même je voyais pas qu'on était aussi proche. Y'a pas possibilité que tu te casses. Va voir tes copines, je sais pas. Je sais, désolé pour ce bruit. Non. Attention, le PVP, on arrive à Electro, on bute tout ce qui bouge. Y a quelqu'un à Electro? Ouais, ils répondent pas. C'est Yonix qui parle, il y a quelqu'un à Electro. Façon, qu'est-ce qu'ils ont à battre que ce soit Yonix qui parle. Oh, yeah. Écoutez, encore le balle de des balles de Yenfield, écoutez. On risque de buter du frag. Je sais pas si ça se dit. Donc tu sors, ça fout. Et direction vers Electro, on va prendre ma vengeance. On va se la jouer discrète. Dès qu'on voit un zombie, on rampe. Là, putain. Dire que là, on fait une opération commando. Tant, 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 tant. Opération commando. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Faut regarder là d'abord. Non, ça va, y a personne. J'ai un gros zombie. Faut faire gaffe parce qu'ici peut avoir toujours quelqu'un. Vous avez entendu ça? Pas si c'était destiné à moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu un coup de feu. Donc, par contre, j'ai eu un coup de lag juste quand il a tiré. Ouh, je lag là, je lag. Je sais pas ce qui va se passer. Je lag, je lag.
Je sais pas ce que ça. C'est pourquoi ce lag, mais. Puis j'ai l'hôpital juste devant moi. Et tout à l'heure, quand ils m'ont buté, c'était à l'hôpital. Donc. Je sais pas. Je sais pas. Écoutez. On va faire attention. Je vous avoue que là, je flippe pas encore plus qu'à Tchernon. On va vraiment pas vite. Pas se faire repérer. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On rampe, on rampe, on rampe. On fait essayer de rester à son calme. Parce que d'habitude, j'ai pas l'habitude de ces opérations commando. J'ai plutôt l'habitude du fonce dedans. Si je meurs, je meurs. Mais là, on est en pleine vidéo, donc j'essaye de faire un effort. Oh là 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 là. C'est vraiment chaud. Là, je. Et allez, je suis aggro. Le santé, ça, même avec rampant. Alors, on va pas aller vers les plus grandes. Bon, on va dire que. On peut traiter quelqu'un de campeur sur un W3 ou sur des jeux comme Call of Duty. Mais ce jeu est un jeu de patience. Donc, pour tous ceux qui disent ils me traitent de campeur dès que je vais camper, ben écoutez, c'est pas de ma faute, hein. Parce que à la différence d'un W3, vous respawnez avec tout votre stuff, hein. Vous imaginez que je suis retourné à Tchernon? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ben en fait la ville est vers là-bas, c'est l'Orpal, tu en fait j'ai pas croisé de personne parce qu'ici c'est le port. Avant d'arriver à Electro, vous avez le port. Puni sera de recette de l'inventaire. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Je sais que je suis mort par là. Donc, je sais pas s'ils sont toujours là, mais je flippe. J'ai la touche là pour parler. Si quelqu'un commence à me tirer dessus, je dis non shoot me, non shoot. Même s'ils sont tous français. J'ai l'habitude d'être sur des serveurs anglophones, j'ai pas rien. Là, il n'y a personne. Juste regarder un coup d'œil. Là, sur pack. Faut savoir que ici. Bon. Non shoot! Non shoot me! C'est Yonix! C'est Yonix! Non shoot! Non shoot! Non shoot! Non shoot! Je fais une vidéo! Ah merci les gars. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'ils allaient me buter. Ils m'attendaient tous de pied ferme. Et ben voilà. Écoutez. Avec ta. Ben attendez, je vais mettre juste vite fait la musique.
Audio et la défaite. Voilà. C'est dommage, ouais. L'entendez. Je suis un peu triste parce que on avait bien stuffé. Je voulais buter du monde, je vous l'avoue. Mais ça s'est pas passé comme on le voulait. Donc voilà. On est arrivé à Electro. On a fait toutes les villes jusqu'à Electro. Et une balle, donc deux balles nous a suffi pour mourir. Je sais pas quoi dire. C'était une bonne vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Et j'espère que vous apprécierez toujours autant les vidéos que je vous propose sur DayZ. Voilà. Bon. Ben, au revoir tout le monde. Et j'espère que. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Au revoir tout le monde. Attendez, on va juste réécouter un peu cette musique. Incroyable. Je sais pas d'où elle est sortie parce que. Écoutez, DayZ, c'est. Un bon jeu, mais. Écoutez, voilà. Bon, ben, on va se laisser. Et puis. À la prochaine. Au revoir tout le monde.